Ok, yo donc j'espère que vous allez bien ici auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rock et aujourd'hui du coup je vais vous montrer un peu l'objectif que j'ai atteint aussi prochainement je crois que je vais pouvoir 1,6K, waouh! Ah ouais j'ai plein de reliques et tout 504 mais attendez mais what? Attendez c'est très très bizarre du coup avant de essayer de comprendre, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc, il y a 10 heures, élimination. Ok, donc, ok, ça je m'en fous. On verra plus tard. Donc, ah, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ok, donc, pré-KVK, vous connaissez. Aujourd'hui, c'est entraînement de troupes. J'ai fait que quelques troupes. Voilà, j'ai réussi du coup à avoir tous ces points. Donc, c'est pour ça. Je suis 102, c'est logique. J'ai pas le droit d'utiliser trop mes points. Enfin, j'ai pas le droit de créer beaucoup trop de troupes. Oh, sache, bien joué à lui. Hier j'ai fini et j'ai réussi du coup mon objectif qui était à la base 500 000. Donc 500 000, ça fait un total, je crois, de 70 000, 70 coffres légendaires à peu près. Je suis arrivé à 1100, un truc comme ça. Non, même pas, 1008, il me semble. Enfin, 1 800 000, du coup. Donc, ça veut dire que j'ai fait plus de 100 coffres. Parce que 700. Parce que c'est un coffre, c'est 7000 points. Donc, 700 000 points, c'est 100 coffres. Donc, en gros, ouais, j'ai fait un peu plus de 100. Peut-être 130, voilà. Donc ouais, je suis assez content. J'ai du coup bien joué. J'ai fait du coup plein de points. Je suis heureux. Dans le plus grand gouverneur là, bah, je peux pas trop me mettre parce que je dois être minimum. Je dois avoir minimum que 8 millions de points et putain, je l'ai dépassé. Ouais, c'est pas ouf. C'est parce que ça je farm et du coup vu que en fait j'étais ce matin à 7 7 je sais plus combien bah en farmant ça gagne des points et du coup ok bon c'est pas grave donc demain je vais faire full entraînement vu que bah là j'ai pas trop le droit vu que déjà là je viens de dépasser les points mais bah, je les connais tout ça ils sont super gentil avec moi et moi je suis gentil et tout ça, je suis actif et tout ça donc dans tous les cas je sais que je vais rien avoir. Normalement on a trois avertissements, je crois que je pense que je vais même pas avoir un vu que c'est rien, hein, c'est même pas quelques points donc voilà. Donc là par exemple on va aller faire ça. Prochainement on va avoir lui en niveau 60 Valencia fue, et lui putain. es y siempre recuperaré 24. mi honor. Le titre. Queen by title, but Elle indeed. prochainement du coup aussi je vais l'expertiser. Ensuite rien de plus. Ah je viens d'avoir du coup aussi les 50 millions de kill points. Je suis assez fier. Bon la technique que je fais en fait mon petit compte Baby Yoda me sert en fait de pendant bah, tous les jours en fait tout le temps je garde les accélérateurs pour uniquement le soin et du coup j'envoie ensuite mes troupes ici et j'envoie mes 5 troupes pour niquer bah, la troupe comme ça bah je gagne plus et lui il gagne presque rien mais je m'en fous dans tous les cas lui c'est juste bon j'ai quelques kill points mais moi mon but c'est d'avoir à moi et pas à lui et du coup j'arrive à me faire à chaque le plus grand gouverneur beaucoup de points hier je crois que bah, on va voir hein. Hier j'ai fait 5 millions 800 kill points voilà donc ouais j'ai dépensé un peu plus de 7 jours d'accélérateur on va dire et quelques ressources donc hier attendez on va regarder là classement aide en ressources, hier j'ai donné 30 millions de ressources à mon compte farm. Bon, il y a les intérêts, hein, je sais plus comment c'est combien, mais ouais, allez,
40 maximum, donc c'est pas grave. Au moins, du coup, j'ai la place et je vais avoir ma petite Zenobia. Donc, iChoose, je vais pas le mettre parce que faut l'expertiser pour qu'il soit parfait, comme les autres, hein, et tout ça. Mais je garde pour l'instant Zenobia. Je sais qu'elle est super pour la défense de la ville. En tout cas, moi, je suis pas un fighter. Mais dès que j'expertise, du coup, mon petit Alexandre, donc dans pas mal de temps, donc, ouais, 5, 4, 2, ouais, c'est dans longtemps, je vais pouvoir me mettre à Zenobia, je pense. Mais bon. Après, je sais que les personnages ne sont pas obligatoires d'être expertisés à fond. Hein. Je sais qu'il y a certains personnages, vaut mieux faire 5-5, 1-1 ou des trucs comme ça, par exemple. C'est une idée, c'est faux. Mais voilà, lui, eux, ils avancent pas du tout. Hein. Le titre de roi n'est pas important. Hop, on va pouvoir aussi donner, si je veux, un peu de choses. Hop, d'XP. Hop. Voilà, hop. On va pouvoir du coup mettre par exemple ici, ensuite on va Queen by passer à title, elle. but in deeds a king. Voilà, là il va y avoir plein tous les packs et tout ça. Alors elle non, ça m'intéresse pas trop. Elle, bof, dans tous les cas en termes de talent, ouais elle est 5 donc c'est bon. Lui, on verra peut-être plus tard. Lui aussi, plus tard, mais bon. Il n'y a pas un petit perso que j'ai. Alors, lui, il pourrait être intéressant. Bon, elle est Kaira aussi. Mais pour l'expertiser, elle est assez dure quand même, hein, Kaira. Vu que c'est que en ayant les sculptures et il faut les payer en faisant un truc. Non on va faire le militaire. Virorum, nec ab mensura corporis, sed ab bono anime bellum censebitur. Voilà. Alors, là, la rapidité, bien sûr. Et... prochainement aussi encore de la vitesse. Ok. Donc j'aurais pu les garder pour les autres persos, mais lui, 9 millions, dès qu'il va passer. Ouais, je sais qu'il va pas être niveau 60 directement, mais dans tous les cas, j'ai le temps et tout ça, donc je m'inquiète pas. C'est pas grave. J'ai gagné par contre plein de puissance. Ça, c'est vraiment cool. En termes de puissance de commandant, je suis à maintenant à 1,7. Ok. Je me rappelle KVK, le dernier KVK que j'ai fait, je crois que j'étais même pas à 1 million. Donc j'ai vraiment bien avancé, je crois. Puissance de troupes, 4 millions. Mais mon but là maintenant, je vais faire full cavalerie. L'infanterie, c'est bien. C'est du même très très bien. C'est ce que j'utilise. Mais en fait. La cavalerie, elle va me permettre du coup de faire les petits events tels que par exemple bah là la dernière fois là les barbares pour faire du Loire à fond faire je sais plus comment il s'appelle pour avoir plein de statues un event ou même bah, celui d'hier hein, l'event des maraudeurs. Pour aller vite et tuer beaucoup de barbares, il va me falloir du coup de la cavalerie pour se déplacer rapidement. Donc, ouais, il va me falloir un petit million. Si j'ai 1000, enfin 1 million, je vais pouvoir aussi pour faire les forts barbares, les envoyer tous et du coup, bah, ça va être plutôt pratique. Là, tiens, on va faire un peu de barbares. Je sais qu'en faisant du barbare, du coup, ça va me faire augmenter beaucoup trop. Mais bon. Lui il est déjà 60 hein. Donc lui ça sert à rien que je le mette maintenant. On va mettre par exemple ça.
On va sauvegarder, je pense. Ouais, hop. Attendez. Ok. On va faire ça maintenant. Parce que vu que l'autre, bah, il est déjà un expert. Enfin, niveau max. Pareil pour son ami. What? Pourquoi j'ai pas okay. Comme son ami Loa. Où il est déjà amélioré, mais c'est pas grave, voir lui, il fait un petit bonus d'XP, donc c'est plutôt pas mal. Putain, ouais, du coup, on va voir un peu le truc. Félicité, bien que nous soyons l'un des plus petits royaumes de Sukavika, nous sommes bien partis. Étape 2, 1, MGE restera prioritaire. Il y a juste un plafond de 8 millions hein, sur le total. Si quelque chose mais vous informer, dimanche, nous lancerons le bœuf afin que nous puissions tous pousser sur. Ok. Donc, ouais, ce matin, j'ai un peu poussé. Hein, j'ai. J'ai fait quelques trous accélérateur. Normalement, vous avez vu bah, dans la dernière vidéo, je sais plus combien j'avais, hein, mais je crois que j'avais 1000, un truc comme ça. Donc j'ai un peu utilisé. 24 heures, j'ai utilisé un peu de 8 heures, de ça. Mais là, du coup, là, je suis très très bien. Je vais pouvoir bien pousser demain en termes de cavalerie. Et puis voilà. Hein. Pareil, j'ai pas mal de soins et tout ça, donc je stocke bien. Si vous regardez après mon zéro, j'avais vraiment plus rien. Plus aucune troupe, plus rien. C'est vraiment dans la galère. Là, du coup, je reprends, j'ai plein de ressources. J'ai commencé le KVK avec 500 millions. C'est plutôt pas mal. Je sais que je vais pas non plus énormément de fights. Mais on va découvrir ensemble, du coup, le nouveau KVK. Et plus tard, on sera plus dans le fight, mais là, au moins, on va découvrir tout ça. Aussi, du coup, j'ai des clés, donc les clés de souverain, c'est super. Et puis, du coup, j'ai plein de trucs. Donc, prochaine vidéo, on va utiliser nos points et tout ça, c'est super. Donc, nous, on va déjà s'arrêter là. C'est juste pour vous informer un peu de mon pré-KVK et du coup aussi de ma puissance et mon kill point. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'était au cœur. Allez, ciao.